Bon. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis content de vous aider beaucoup. Alors, merci Philemon tout d'abord. Et oui, je suis Fabio Giovannini, je suis le maître d'armes de ou maître d'armes de le cirque d'escrime orléanais. Je suis ici en France parce que j'aime bien d'être en France et surtout j'ai pris la décision de faire grandir mes enfin, ici en France. Bah, ça, peut-être, c'est pas trop intéressant, mais c'est juste pour dire quelque chose à propos de moi. Par contre, aujourd'hui, nous ferons ensemble une séance exprès sur les déplacements. C'est-à-dire, je chercherai de faire avec vous de développer les quatre thèmes, les quatre blocs que normalement j'ai en train de pendant le travail des jambes, c'est-à-dire pendant dans le travail des déplacements. Donc, je parle du travail didactique, du travail technique, statique et physique. J'ai fait, comme vous dites ici en France, une petite macédonia, une petite mayonnaise, une petite mayo, c'est-à-dire un petit cocktail pour chercher de faire quelque chose en général. Et ça, je pense que c'est intéressant, il va être intéressant parce qu'en plus, vous n'avez pas tout le même âge et vous n'avez pas tout les mêmes niveaux techniques et même les mêmes niveaux physiques. Et en plus, même si cette séance, c'est exprès pour les sabreurs, il va être utile même s'il y a des fleurettistes et des épéistes. Donc, c'est pour tout le monde. Et nous cherchons de poser notre attention sur les changements de direction, les changements de rythme et sur la recherche de la distance. Et après, il sera un petit jeu final. Alors, tout d'abord, si vous avez déjà marqué votre zone, comme je vais demander, parce que j'ai une petite chambre et donc là, j'ai marqué la zone pour 4 mètres, pour 2 mètres et demi. Comme ça va être pour tout le monde les mêmes. En plus, je pense que vous avez déjà affiché un petit papier sur les murs, sur les mannequins ou sur la chaise pour notre jeu final. Alors, tout d'abord, nous ferons seulement 10 minutes d'échauffement, c'est-à-dire 10 minutes sont les minimums. Pour moi, sont les minimums pour chercher de faire monter la température du corps et donc pour éviter les blessures. Vous savez bien que les muscles, c'est comme un élastique, donc il doit être chaud pour éviter de se blesser. Donc, nous ferons 5-6 minutes de cardio, 4 minutes d'étirement et nous commencerons tout de suite à faire notre séance. Alors, je vais regarder un peu. J'ai une petite tablette, mais j'ai vu que tout le monde est prêt. Vous me faites comme ça si vous êtes prêt. Oui. Allez, très bien. Et alors c'est parti. Alors, vous pouvez poser en bas et petite trottinette avant et derrière. Allez, je le fais avec vous. Comme ça, c'est doucement. C'est seulement pour faire monter notre température du corps. Allez, c'est 20 secondes et 10 secondes de pause. J'ai déjà prévu. Ah. Avant et derrière, encore doucement, les bras sont comme ça. Allez, stop. Nous le refaisons encore une fois. Tu me donnes les tampons. Hein? Voilà. Prêt? Allez, encore, deuxième fois. Doucement, hein? Avant et derrière. Allez, très bien. OK. Allez, encore. Il reste 5 secondes encore. Allez. Allez, stop. Très bien. Soufflez un peu. Pas fini encore, hein? C'est 10 secondes de pause. Je vous rappelle, la pause, c'est important comme de bouger. C'est la même chose. C'est important pour
Retournez bien à notre cardio. Allez, maintenant la même chose, mais vous le faites latéral, c'est-à-dire à droite et à gauche. Et donc, allez, hop. Allez, stop. 10 secondes et nous le ferons encore une fois, hein? Parfait. Encore une fois. Prêt. Allez, c'est parti. Hop. Allez, très bien. Les bras encore comme ça, et relâchez bien. Encore 5 secondes. Stop. Parfait. Et maintenant, alors, encore 3 secondes, 2 secondes, et maintenant, encore avant et derrière, mais quand vous marchez, c'est-à-dire quand vous allez avant, vous montez les genoux une fois et la deuxième fois, talon face. Je me monte. Donc, je marche et je retourne normalement. Et maintenant, je marche, talon face et je retourne normalement. Allez, c'est parti, 20 secondes. Allez, je vais regarder un peu. Très bien, doucement, hein? C'est comme ça. Allez, très bien. Mon les genoux une fois. Parfait. Une fois, talon face. Fesse. Allez. Allez, encore. OK, stop. Allez, 10 secondes de pause encore. Très bien. Maintenant, notre... Prêt. Encore 20 secondes. Allez, c'est parti. Hop. Allez, très bien, 20 secondes. Et je retourne. Je le fais encore. Pop, 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 pop. Et je retourne. Et je le fais encore. Hop, 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 hop. Et je retourne encore. Très bien. Et stop. Allez. 10 secondes encore de pause. Et maintenant, encore latéral. À côté, non? À côté, de côté. Et donc, à droite et à gauche, mais cette fois, avec les bras. Allez, c'est parti. Hop. 20 secondes comme ça. Allez, encore, continuez, je me regarde. Allez, parfait. Allez. Bougez bien les bras aussi. Allez, stop. Parfait. Et maintenant, 10 secondes. Et la dernière de cette petite. Alors, vous faites encore. Bougez la grande main, c'est-à-dire la droite à gauche. Mais quand vous arrivez à la fin, vous vous accroupiez. C'est-à-dire, vous faites comme ça. Hop. Et après, l'autre côté, comme ça. Prêt? Allez, c'est parti. Gauche. J'ai ma cloche. Allez, hop. Hop. Allez, je me regarde. Parfait, encore. 10 secondes encore. OK, stop. Très bien. Allez. Donc, je l'explique pendant la pause. Maintenant, encore 20 secondes. Vous trottinez avant. Quand vous arrivez à la fin, si vous êtes droitier, vous vous allongez avec la jambe avant. Ce n'est pas la fonte d'escrime. J'allonge la jambe. Donc, je vais le montrer. Hop, et je m'allonge avant. Quand je recule,
je fais la même chose derrière avec l'autre jambe. Et donc, c'est avant et derrière. OK? 20 secondes. Prêt? Allez. Très bien. Allez. Oh, bien. Encore. Stop. Parfait. OK. Encore. Nous avons presque fini notre part de cardio. Hein? Ça va pas. Et maintenant, c'est la même chose. OK? Mais je le fais à gauche et à droite. C'est-à-dire, quand j'arrive, je m'allonge comme ça. Et je m'allonge comme ça. OK? Donc, c'est quand je bouge à gauche, j'allonge la gamme droite, la jambe droite, et comme ça, de l'autre côté. Prêt? Allez, c'est parti. Hop. 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 Je vais regarder un peu. Parfait. Allez, stop. OK. Très bien. Allez. Allez, très bien. Il reste encore. Allez, c'est 10 minutes encore. 5 minutes encore d'échauffement. Allez. Alors, maintenant, soufflez un peu. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Regardez bien. C'est pas compliqué comme la séance de hier, parce qu'il a fait, mais c'est compliqué un peu. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire, je monte les genoux droite sur la main gauche et je retourne. Je monte les genoux encore et je retourne, mais je porte ma jambe derrière. Après, je lance ma jambe et je retourne. Donc, c'est 1. 2, 3, 4, 5, 6. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout le monde a compris? Prêt? Allez, c'est parti. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je me regarde très bien. OK, stop. Très bien. OK. Dernier exercice de cardio petit. 15 secondes. Soufflez un peu maintenant. Et nous faisons comme les pendules. Pendules, c'est français? Ouais, je ne sais pas. Je vous fais comme ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Très bien. Et stop. Allez, notre part de cardio, c'est presque terminé. Très bien. Alors, regardez-moi. Très bien. Je reste sur la place et j'allonge ma jambe comme ça. Un. Et je souffle. Deux. Et je souffle. Trois. Et je souffle. Allez, bien. Allongez lentement, hein? Pour les adducteurs, c'est bien. OK. Allez, je regarde encore. Très bien. Alors, stop. Alors, 15 secondes, 15 secondes encore. Des petits sauts sur la place. Allez, hop, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18. OK, maintenant l'autre côté. Prêt? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
3, 14, 15, ok. Et stop. Ok, soufflez. Voilà. Mes jambes bien ouvertes. Je reste en équilibre. Et je vais en bas. Je souffle. Et je vais en bas. Hop. Et je vais en bas. Et maintenant, je reste en bas et je fais une petite rotation de buste. Regardez-moi doucement. Et après, je le fais un peu plus grand. Et encore un peu plus grand. Et maintenant, je fais une rotation complète. Un. Et de l'autre côté. Deux. Et encore. Trois. Quatre. Allez. Très bien. Et maintenant, les adducteurs. Regardez ma position. Les jambes sont comme ça. La pointe des pieds regarde avant. Et je reste assis comme ça. Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je passe à cette situation. Les mains. Si j'arrive sur le sol, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je retourne comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la dernière. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, parfait. Dernier exercice d'étirement. Je me mets comme ça. Je me mets. Regardez bien. Je reste comme ça. Et après 15 secondes. Je tourne les pieds de la jambe derrière comme dans la fente des screens. Je fais donc, je compte 15 secondes comme ça. Après, je tourne et après, je fais la même chose dans l'autre côté. Je vais regarder mon moment. Allez, comme ça, nous faisons un étirement spécifique. Ok, je veux que tout le monde a compris bien. Vous êtes bien engagé, parfait. Très bien. Ok, parfait. Alors, ok. Alors, je vais demander encore 5 minutes et après, je vais donner la possibilité à moi aussi de boire une gorgée d'eau. Alors, une petite, comment dire ça, Jo? Petit goûter. Un petit goûter des placements didactiques. Et donc, en garde, nous faisons la petite marche, mais nous la divisons en deux parties. C'est-à-dire, première partie, seulement la première jambe, et deuxième, la jambe derrière. Écoutez bien, regardez bien, ça c'est important. Quand je bouge avec la jambe avant, mon genou, c'est pas comme ça. C'est pas que je me mets comme ça, mais je reste avec les genoux avant. L'épaule, c'est comme si j'ai Si j'ai eu un bâton. Donc les pots sont sur la même ligne. Si j'avais un bâton. Ok? Et donc c'est 1, 2. 1, 2. Allez, tout le monde, prêt? Avec moi. 1, 2. 1, 2. 1. Vous le faites, je vais regarder. Vous le faites 6 fois et après vous reculez avec la retraite. Parfait. Bien plié sur les jambes sans élever l'épaule. Ah, ok. Alors, encore une fois. Et donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parfait. Ok. Alors, une chose. Rappelez bien ça.
quand je marche, je vais rappeler. C'est pas que je marche parce que je bouge la jambe avant et après la jambe derrière va suivre. Parce que c'est pas un, deux, trois. Les temps sont deux temps. C'est un, deux. Un, deux. Et donc, la jambe avant bouge parce que c'est la jambe derrière qui fait le moteur. Et quand je fais la retraite, c'est au contraire, c'est le même principe. C'est-à-dire c'est la jambe avant qui bouge et donc va obliger la jambe derrière à reculer. La jambe derrière, c'est libre. Hop. Ça, c'est la retraite. OK? Donc, ça, c'est important. Alors, maintenant, vous faites deux fois comme ça. Faites une marche complète. Un. 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 Six fois. Et après, vous faites la retraite. Un. Deux. Trois. Et encore. Un. Vous faites... La marche est plus petite de la retraite. OK? Vous arrivez jusqu'à la fin de votre zone et vous reculez comme ça. Regardez toujours avant. Et encore. Je vais regarder un peu. OK. Parfait. Alors, encore. Bien. Maintenant, je vais vite. Hein, c'est seulement pour... Ce n'est pas notre objectif d'aujourd'hui, ça. Et alors, maintenant, petite marche, double marche. Je vous rappelle, la double marche, c'est avec les changements de rythme. Et donc, ça, c'est la petite marche. La double marche, c'est la jambe derrière qui va plus vite. OK, je vais montrer encore. Petite marche, double marche. Petite marche, double marche. OK, allez. Deux fois, petite marche, double marche, quatre, cinq fois, et après retraite. Allez, très bien. OK. Cherchez pas la vitesse, cherchez bien la précision. Sentez bien la jambe derrière qui pousse, et quand vous reculez, la jambe avant qui pousse. Ça, c'est la sensation que vous devez sentir quand vous faites ces déplacements. OK. OK, très bien. Maintenant, préparons notre forme. Alors, en gain, je vais la fente en trois tapes. C'est-à-dire, un, deux, trois. Et je retourne en trois tapes aussi. Un, deux, trois. Regardez bien deux choses avant de commencer. Les bras, je les vais allonger doucement. Mais... Je ne l'engage pas comme ça. OK? Les bras, ils s'allongent, ils restent. L'épaule ne s'engage pas. Comme ça, je suis prêt pour faire autre chose. En même temps, pour moi, quand je retourne, même si c'est plus difficile de retourner, parce que c'est normal que c'est plus facile de faire comme ça. Ça, il va avoir un poids. La personne, il va porter un sac à dos comme ça. Donc, c'est plus facile de retourner en garde sans les bras. Mais, vous devez penser que les bras, ils doivent vous à défendre. Et donc, vous retournez, un, deux, et sous le troisième, vous enlevez les bras. Donc, je veux que quand vous faites la fente, vous retournez, en garde, vous lassez les bras avant, et en finale, vous le retournez. Allez, deux fois. Prêt? Allez, tout le monde en garde. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et encore. Un, deux, trois. Et encore. Un, deux, trois. OK. Dernier, après, un gorgé d'eau. Deux petites marches fentes. Deux petites marches fentes. Je retourne en garde. Retraite. Allez, encore. Deux petites marches fentes. Je retourne en garde. Retraite. Deux petites marches fentes. Je retourne en garde. Retraite. OK. Parfait. Très bien. Alors, maintenant, nous pouvons boire une gorgée d'eau. Alors, reposez un peu, approchez-vous pendant que je vous explique. Alors, maintenant, très bien, hein, nous commençons notre première objectif d'aujourd'hui, c'est-à-dire les changements de direction. Alors,
la chose importante, c'est de être toujours équilibré. Les changements de direction, vous le savez bien, ils sont très utiles pour chercher de trouver le bon temps pour terminer l'attaque ou pour préparer la défense. La chose importante, c'est ça. Reposer, rester bien comme ça. Normalement, le poids du corps pour les petites, c'est 50% et 50%. OK? J'ai déjà dit que pour moi, n'existe pas l'escrime de les petites et l'escrime de les grandes. La chose qui va changer, c'est la quantité et la qualité que je demande à les petites ou à les plus grandes. Mais maintenant, à partir de la M15, je pense que c'est mieux de poser le poids du corps 60% sur la jambe avant et 40% sur la jambe derrière. C'est-à-dire, dans cette position de 50 et 50, je bouge un peu avant les bassins, pas l'épaule, les bassins. Comme ça, le poids du corps, c'est sur la jambe avant et je libre la jambe derrière pour faire des retraites, des changements de direction. OK? Et donc, c'est comme ça. Alors, maintenant, vous êtes prêts? Allez. Alors, nous partons dans la marche. Alors, le temps court, là. Alors, maintenant, essayons marche, demi-marche, fond. C'est-à-dire, marche, demi-marche, fond. Ça, ça va être utile même pour l'attaque suprême, vous le savez. Alors, trois fois. Marche, demi-marche, fond. Relâchez bien l'épaule. Encore. Marche, demi-marche, fond. OK. Encore. Maintenant, c'est encore une chose qui va être utile pour l'attaque suprême. Je ne fais pas glisser, fond. Je vais rappeler les pas glisser. Je pose les pieds avant. Je fais un petit saut, fond. Je vais le montrer, mais je pense que tout le monde le connaît. Pas glisser, fond. Et allez, trois fois. Pas glisser avant, fond. Je pars avant et j'arrive vite. Pas glisser avant, fond. OK, je me regarde encore. Parfait. Et maintenant, deux petites marches. Appel de retrait. C'est-à-dire, je prépare ma défense. Je cherche de faire tomber courte mon adversaire. Et donc, je fais deux petites marches. Appel de retrait. Regardez, je regarde toujours avant. Je vous le montre encore. Deux petites marches. Appel de retrait. Allez, quatre fois. Fais ça quatre fois. Alors, je vais regarder un peu. Alors, allez, hop, allez, et maintenant, même chose, mais je n'arrive pas à faire tomber court l'attaque, donc je fais la parade, et donc je fais deux petites marches, appel, et je fais la parade avec la retraite, je vais en count, hop, donc deux petites marches, appel, et retraite avec la parade, c'est important de faire la parade sur la jambe avant. Pof. Donc, dans le dernier moment, fais ça quatre fois avec la parade de camp. Deux petites marches. Appel. Parade de camp. Équilibre. Je suis en équilibre. Je le fais encore alors. Hop. Hop. Allez. Je me regarde. Allez. Allez. Parfait. Restez bien pieds sur les jambes, bougez pas avec l'épaule et cherchez le bon moment pour faire la parade, le dernier moment. Restez-vous en équilibre avant de repartir au moment. OK. Et maintenant, encore la même chose, mais vous faites la parade de cartes. C'est-à-dire, je vais regarder, deux petites marches, appel, retraite et parade de cartes. Quatre fois encore. OK, très bien. Allez. Alors,
Maintenant. Alors, maintenant, nous faisons la même chose, ok? Mais nous faisons trois retraites et donc nous reculons plus vite. Et ça devient important une chose. J'ai fait donc deux petites marches. J'ai fait trois retraites. Et attendez, je montre la dernière. La dernière retraite, je passe mes poids du corps d'avant, je le passe derrière et je m'arrête avec les talons comme ça. Et donc, j'utilise, je fais trois retraites et la dernière, je fais comme ça. Et après, je me rééquilibre. OK? Essayez deux fois. Donc, c'est deux petites marches, à peine trois retraites et je m'arrête comme ça et je me rééquilibre. OK? C'est important d'être capable de passer le poids du corps dans la jambe avant à la jambe derrière, libérer la jambe avant et avec le talon, vous arrêtez. Et tout de suite, vous faites une petite marche d'équilibrement. Alors, vous le faites deux fois. Je vais regarder un moment, ça marche. Allez, n'hésitez pas. Cherchez, donc, vous arrêtez sans bouger l'épaule. Et maintenant, encore deux petites marches. Appel, trois retraites, une petite marche de rééquilibre, marche ferme. C'est-à-dire, j'ai fait, je passe ça, deux petites marches, appel, trois retraites, je me rééquilibre, marche forte. OK? Trois fois ça. Je me regarde. Ça suffit trois fois. Hein? Donc, deux petites marches, appel, trois retraites vite, je m'arrête. Une petite marche pour moi rééquilibrer. Marche fort. OK. Très bien, très bien. Allez. Le soleil, maman. Ah oui. Vite, vite, s'il te plaît. OK, parfait. Avant de nous reposer maintenant. Et maintenant, ça va être utile dans le milieu de la piste. Alors, je me mets comme ça. Maintenant, j'ai fait marche reversée, marche, demi-marche, de retrait. Après, je vais dans l'explication. Alors, ça, c'est une préparation qui peut être utile, comme les deux petites marches, appelées et reculées, dans le milieu de la piste. Je simule mon débouché, mais je ne bouge pas. Donc, je suis en retard. J'ai fait une grande marche, donc je suis évidemment en préparation. J'ai fait une demi-marche avec la petite provocation et je recule. Donc c'est demi-marche, marche reversée, marche, demi-marche et je recule. Trois fois, je vais la montrer encore. Marche reversée, marche, demi-marche, provocation et je recule. Quand je recule cette fois, j'enlève les bras, je fais confiance dans les jambes. Et donc ça va être inutile parce que je le dois enlever pour être vite. OK, allez encore. Donc c'est marche reversée, marche demi-marche avec la provocation et deux retraites. Allez, bien. Alors, approchez-vous, vous pouvez boire une gorgée d'eau. Allez, venez ici, je vais donner une petite explication comme ça. Terminé, qui doit terminer, termine. Je suis désolé, j'arrive pour regarder votre tout. Je dois bouger un peu les tablettes parce que je n'ai pas la vision tout ensemble. Je n'ai pas l'ordinateur ici. Alors, bon. Avant de continuer avec notre changement de direction et passer après à le changement de rythme, une petite chose que c'est importante. J'ai parlé des appels, peut-être quelqu'un a écouté, s'est posé la question, je ne sais pas. Demi-retraite, appel, demi-marche, marche sous les pieds derrière. Alors, ça c'est des conventions. C'est pas pour, je m'explique pour moi, comme j'entraîne ce mouvement que je pense que c'est pas ordinaire. C'est donc quelque chose qui va être utile pour changer tout de suite la direction
ou por chercher de trouver le temps pour faire un contre-attaque, un attaque suprême. Alors, ça dépend. Je vais choisir l'appel ou la demi-marche. Ça dépend de la situation tactique. Normalement, et je dis normalement, hein, c'est pas quelque chose qui va être toujours. Ça, c'est important. Mais normalement, je vais utiliser l'appel que je veux reculer. Et la demi-marche, quand je veux faire une provocation pour chercher l'attaque suprême ou quelque autre chose. Donc, et donc, je vous explique. Ça, pour moi, l'appel, c'est seulement ça. Et donc, j'ai mis la pointe de pied comme ça et je me prépare à reculer. Appel, je recule. Quelquefois, je fais l'appel même avec tous les pieds, c'est-à-dire comme ça. Mais c'est toujours la jambe qui ne va pas bouger beaucoup. Par contre, la demi-marche, c'est quelque chose que j'utilise, je bouge un peu plus avec la jambe et même avec les bras. Donc, ça va être utile, pas pour reculer, mais souvent pour faire l'attaque suprême, les contre-attaques, ou pour chercher de simuler les contre-attaques et faire un parade de réponse. Okay? Par contre, la demi-retraite, je l'utilise beaucoup pour faire les contre-attaques à la manchette, par exemple, ça c'est typique, classique. Et la marche sur les pieds derrière, c'est pas comme ça, c'est seulement un peu, et je le vais utiliser pour changement la direction. Ok? Ça, c'est un moment que je vais vous expliquer, comme ça vous avez fait une pause. La chose importante, ça c'est beaucoup de travail pour le maître. Et ça, donc, ce n'est pas le moment de penser beaucoup à ça. C'est seulement pour la connaissance que je vais la dire. Mais c'est important, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous préparez de reculer et donc de faire tomber court l'attaque, ou si vous préparez les contre-attaques, mais même, ça dépend de la vitesse de mon adversaire. Et dans le niveau technique, un escrimeur de haut niveau, il n'a pas une réaction facilement. Et donc, je dois choisir bien la bonne distance. C'est normal que si je dois faire une provocation, je la peux pas faire. Je ne peux pas la faire. Sinon, je ne suis pas à la bonne distance. OK? Alors, donc, maintenant, nous passons encore trois petits changements de direction avec la retraite. Alors, préparez-vous. Allez. Et donc, j'ai fait deux retraites. Petit appel avec tous les pieds. Fente. C'est-à-dire, je cherche d'aspirer, je suis en défense. Je cherche d'aspirer mon adversaire. Mon adversaire vient avec la même vitesse. Je fais deux retraites. Hop, je regarde que lui, en moment d'excitation, pam. Et donc, deux retraites. Appel avec tous les pieds, pam. Encore deux fois. Essayez. Deux retraites. Hop, pam. C'est normal que je dois bouger bien, hein, avec la pompe. Hop, pam. OK. Encore une fois. Très bien. Alors, maintenant par contre, je vais parler de l'appel. Et donc maintenant, je fais la même chose pour reculer. Et donc, je fais encore deux petites marches, appel comme ça, et deux retraites. Encore trois fois. Pardon, deux retraites, appel, et deux retraites encore. J'aspire mon adversaire, deux retraites, appel, et deux retraites. Encore, j'aspire mon adversaire, hop, et je recule. Et donc, vous avez regardé ces deux différentes petites marches d'appel. Toujours qu'elle va partir de la retraite. Une fois, j'aspire mon adversaire et je fais l'appel pour terminer. Une fois, je fais deux petites retraites, je fais un petit appel et recule. Ça, c'est encore plus intéressant. Et c'est la dernière. Deux retraites. Demi-marche avec la provocation. Alors, j'ai fait deux retraites, demi-marche, donc plus avant la jambe, plus avant les bras, je simule une contre-attaque. Mon adversaire attaque. Je fais deux retraites, je simule de tirer, lui va terminer. J'ai découvert ton cible, par contre. J'ai découvert les flanques, donc je fais la parade de tierce. Après, vous pouvez faire
Encore. Deux retraites. Deux images, vous découvrez le au ventre. Et vous faites la parade avec la retraite. Et encore. Deux retraites. Deux images, je découvre la tête. Et je fais la parade des camps. Essayez trois fois. Je vais regarder. Trois fois, vous faites la parade. Vous préparez la parade de tierce. Trois fois la carte. Trois fois la cante. Toujours avec la retraite. Donc c'est deux retraites. Demi-match avec la provocation et parade avec la retraite. Allez, je vais regarder. Donc, c'est deux retraites. Appel. Je vais l'expliquer encore. C'est deux retraites. Demi-match avec la provocation et parade. Deux retraites. Demi-match avec la provocation. Mon adversaire termine. Je fais la parade. OK? Allez. Ok. Parfait. Allez, allez. Allez, très bien. Allez, bon. Allez. Alors, le dernier changement de direction, ça c'est un petit piège. J'ai fait deux retraites grandes. Et le troisième, je ne vais pas faire la retraite, je simule la retraite, mais je vais lever seulement la jambe avant. Je fais comme ça. Regardez. Je fais 1, 2, 3. Donc, mon adversaire, il pense que je recule. Il a l'impression que je recule. 1, 2, 3. Et dans cette situation, il ne va à trouver pas la bonne distance. C'est moi qui fais fond. Et donc, 1, 2, 3, fond. Encore. Deux retraites, un retrait, deux retraites, trois, fente. Essayez, trois fois ça suffit. Ça c'est un petit piège que j'ai fait. Allez, regardez si vous avez compris ou pas. Allez, très bien. Très bien David, je t'ai vu. Parfait. C'est normal donc que ma retraite c'est grande, hein? Allez, très bien. Ça, c'est un petit piège. OK. Parfait. Et là. OK. Bon. Vous pouvez boire une gorgée d'eau. On ne le sait pas demain. Perché sennò non faccio il tempo. Allora, in a beaucoup de ces pièges, je peux faire retraite, pas glisser derrière, marche le pied derrière et je vais avant. In a beaucoup. La chose que je vais vous donner aujourd'hui, c'est l'idée de comment nous pouvons utiliser les jambes pour le changement de direction, pour chercher de faire des pièges à notre adversaire ou pour faire une défense, que c'est une défense active. Maintenant, les changements de rythme. Ça, c'est important. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Comment? Une petite histoire. Alors, l'escrimeur, les bons escrimeurs, approchez-vous. Hop, comme ça. Alors, les bons escrimeurs, mon maître, il disait, c'est pas l'escrimeur qui attrape la mouche avec la vitesse, mais c'est l'escrimeur qui attrape la mouche avec des doigts parce qu'il va choisir le bon temps. Donc, ça, vous savez bien, mieux que moi que la vitesse, quelquefois, c'est contre nous. Donc, c'est vraiment plus important d'être capable de changer les rythmes. Alors, maintenant, je vais montrer au moment la différence dans la marche petite, grande, lente, vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je cherche de faire l'essentiel parce que quand je commence, je sais que je voudrais faire beaucoup de choses, mais ça, c'est les choses essentielles. Alors, changement d'affaires. Alors, bien. Alors, maintenant, regardez-moi. Pendant que vous vous reposez, hein? Alors, la marche petite, grande. La marche petite, ça c'est banal, mais regardez bien. La marche petite, la marche grande. Alors, la chose que vous devez penser,
Prenez votre attention. Mettez votre attention. Mettez votre attention sur le fait que j'avais déjà expliqué de la jambe derrière qui pousse. Donc, c'est le changement de la jambe derrière qui pousse beaucoup pour grandir la marche. Donc, ce n'est pas que j'ai fait deux petites marches et la marche grâce parce que je bouge beaucoup avec ça. Ça, c'est un signal que donne à mon adversaire. Et nous devons mettre comme les chats. Les chats, ils ne vont pas à prévenir les souris. Les souris. Les souris. Les souris qui l'attrapent. Ils bougent tranquille et tout d'abord, pam. Et ça, c'est la même chose. Donc, la petite marche, c'est avec la jambe derrière qui ne bouge pas beaucoup. Et après, ici, je bouge un peu plus et j'oblige la jambe avant à grandir. Et donc, c'est ça. Regardez, comme ça, je reste toujours plié sous les jambes et je ne bouge pas avec l'épaule. OK, encore. Essayez. Essayez un peu. Petite marche. Grande marche. Alors, vous partez dans la ferme et vous faites deux petites marches. Une grande marche, deux petites marches, une grande marche. Regardez bien moi, je ne me lève pas, hein? Je reste plié. Deux petites marches, une grande marche, deux petites marches, une grande marche. Et retournez normalement, sans la retraite, encore, essayez encore. Deux petites marches, une grande marche, deux petites marches, une grande marche. Parfait. Alors, et maintenant, maman, le soleil. Ça va, ça va. Oui, je le sais. Et maintenant, petit, grand, long. Regardez. Lentite, ça c'est encore plus important. Regardez bien. La marche lente, c'est comme ça. La marche vite, c'est comme ça. Si vous avez bien observé, la jambe avant ne changera jamais de vitesse. Mon ABC ne doit pas comprendre que je vais plus vite. Hein? Ça c'est la situation optimale. Hein? C'est normal que dans le match, c'est pas facile. Mais, et donc ça, marche lente, marche vite, ok, essayez-vous, allez, lente, vite, vous faites deux marches lentes ou marche vite, lente, vite, je vais regarder un moment, allez, sentez bien, la différence de la jambe derrière, dans la petite à la grande, c'est la jambe derrière qui pousse un peu plus. Et dans la lente à la vite, c'est la jambe derrière qui va retourner plus vite. Parfait. Un petit exercice alors. Maintenant, je vais demander de faire comme ça. Alors, je donne les signaux comme ça. Hein. J'ai préparé les numéros, les couleurs, mais c'est plus vite comme ça parce que nous avons... encore des choses à faire aujourd'hui. Alors, vous me mettez à la fin. OK? Et vous faites maintenant deux petites marches, une grande marche. Deux petites marches, une grande marche. Je pense qu'avec 4 mètres, vous arrivez à faire 3-4 fois cette situation. Alors, vous partez tout ensemble. Quand je fais clap, ça c'est important. Si vous êtes dans la petite marche, vous faites marche fonte. Après, vous retournez en garde et vous recommencez. Si vous êtes dans la marche grande, vous faites seulement la forme. Donc, vous devez être capable de changer votre final d'attaque à seconde de la vitesse de la distance. Alors, essayez-vous. C'est, tout le monde a compris, je pense, non? Donc, vous faites deux petites marches, une grande marche, deux petites marches, une grande marche. Je donne le signal. Si vous êtes dans la petite marche, je ne sais pas parce que vous n'avez pas tous les mêmes temps. Donc, ce n'est pas que tout le monde fait la même chose. Quand je donne le signal, si vous êtes dans la petite marche, vous faites marche fonte. Si vous êtes dans la grande marche, vous faites seulement fonte. Tout le monde est prêt? Prêt? Alors, mettez-vous là, je vais regarder. Prêt? Allez, c'est parti. Hop. Hop. Et retournez en garde. Parfait. Encore. Allez, très bien. Si vous avez encore de la place, encore, sinon vous reculez. Allez, marchez. Ah! Très bien, très bien. Et maintenant, nous ferons la même chose. Mais
Maintenant, nous avons fait petite, grande. Et maintenant, oui. Et maintenant, nous faisons lent vite. Donc, deux marches lentes, une marche vite. Si je donne les claps dans la marche lente, vous faites marche fond. Si je donne les claps dans la marche vite, vous faites seulement la fond. Allez, tout le monde est prêt? Nous partons tous ensemble, en garde. Donc, c'est deux lentes, une vite. Dans la lente, les claps, les signaux, vous faites marche fond. Dans la vite, seulement fond. Prêt? Allez! Hop! Allez, très bien, retournez en garde. Encore. Allez. Hop! Ok. Encore une. Allez. Hop! Ok, très bien. Très bien. Alors, nous avons presque fini, mais nous n'avons pas fini encore. Alors, maintenant, vous prenez un élastique ou une sabre, ou une arme, une épée, un fleuret, ou un bâton, comme je l'ai dit, et vous le mettez dans le sol. Juste vous. Alors, l'objectif, c'est d'arriver à passer la ligne avec la forme. Maintenant, je l'ai mis comme ça. C'est normal que si je passe la ligne avec la forme comme ça, je n'ai pas choisi la bonne distance. J'étais trop proche. OK? C'est par contre, quand j'ai fait la forme, je n'arrive pas à passer la ligne, j'étais trop loin. Et donc, notre objectif, c'est de passer la ligne avec les pieds, que c'est juste après de la ligne. OK? Alors, vous avez un crayon aussi. Donc, je vais demander de choisir bien la distance de fond. C'est-à-dire, c'est à vous de choisir et essayer. Je vais donner 20 secondes. Quand vous avez trouvé la distance, vous posez le crayon. Vous rappelez-vous la distance. Et après, je vais donner le signal. Vous faites la forme. Et vous devez arriver comme ça. OK? Alors, tout le monde a compris? Alors, très bien. Alors, petite chose. Alors, ça, quand vous avez trouvé la distance, vous vous mettez en garde. Quand j'ai fait jaune, vous commencez à bouger avec les jambes comme ça. Quand je vais dans les verts, vous faites la fonte. Prêt? Alors, vous avez trouvé la distance? Alors, je vais regarder. OK, je vais tout le monde, c'est prêt. Allez, commencez à bouger avec les pieds. Talon point, talon point, talon point, talon point, talon point. Allez, top! Fonte! Allez, retournez en garde, très bien. Encore une fois. Prêt? Allez, talon fin, talon point, talon point, talon point, talon point, talon point, talon point. Top! Allez, fond. Très bien. Engagez pas l'épaule, Lisa. C'est bien, c'est très bien. Bravo. Et maintenant, vous cherchez tout seul la distance. Marche fond. Allez, tout de suite. Bon, je sais que presque arrivé. Hein? Allez. Je vais donner encore 10 secondes. Hein? Cherchez bien. Je vais regarder. Alors, vous avez encore le temps. Parfait. Allez, je regarde tous les amis. OK, tout le monde est prêt. Alors, la distance est marche fond. C'est à vous de choisir la bonne distance. Parce que sans la bonne distance, vous ne toucherez jamais. Ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas le rythme. OK, prêt? Allez, bougez avec les pieds. Top, 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 top. Allez, marche fond. Petite marche fond. Très bien, équilibre. Équilibre. Allez, encore une fois. Vous avez marqué votre distance déjà avec les clients, donc vous êtes déjà prêt. Parfait. Allez, David, bien. Prêt. Allez, bougez avec les pieds. Très bien. Et top. Allez, marche fond. Très bien. Allez. Alors, et maintenant, vous devez choisir la distance. Retraite, marche fente.
retraite, marche fronte. J'en ai fait seulement 4 parce que sinon je ne vais pas. Ah oui. Retraite, marche fronte, je vais regarder. Marquez votre distance avec les clients. Voilà. Parfait. Alors, tout le monde est prêt? Allez, Lise, tu es prêt? Parfait. Alors, en garde. Bougez les pieds. Allez, retraite, marche fond. Allez, très bien. Encore une fois. Prêt? Bougez les pieds. Allez. Parfait. Ok. Retournez en garde encore une. Plus compliqué. Deux petites marches. Appel, retraite, marche fonde. Deux petites marches. Appel, retraite, marche fonde. Deux petites marches. Appel, retraite, marche fonte. Alors, tout le monde est prêt? Allez, j'invite tout le monde est prêt, parfait. Les feux sont rouges maintenant, tout le monde en garde. Bougez avec les pieds. Tap, 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 tap. Et allez, deux petites marches. Appel, retraite, marche fonte. Très bien. Fais attention à l'épaule, pas à la vitesse lisse. Allez, ça marche bien. Encore une fois. Retournez dans vos clients. Prêt. Allez, bougez avec les pieds. Et top. Allez. Top, top. Hop. 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 Là. Très bien, Arthur. Ça marche. OK, parfait. Alors, approchez-vous. Ça, c'est le dernier maintenant. Très bien. Alors, j'ai récupéré un peu de temps, mais... Alors, le dernier jeu. Alors, nous cherchons maintenant de faire un petit jeu. Alors, je bois en gorge d'eau. Moi aussi. Alors, je vais, pendant que vous vous reposez, je vais expliquer. Je vais demander d'afficher un papier, non? Mm-hmm. Un papier sur les murs, sur les mannequins. Nous devons chercher maintenant des. Je vous le montre. Vous arrivez à regarder ça? C'est un smile. Tout le monde le regarde? Parfait. Alors, vous devez dessiner le smile avec la fonte. Je vais expliquer bien. Alors, vous devez arriver avant de toucher les pieds. C'est-à-dire, c'est pas que je fais la fonte et après je vais la dessiner. Je dois arriver, et donc bien en équilibre, à toucher les feuilles pendant les pieds avant, comme ça. Après, je vais le montrer en plus. Donc, vous avez par contre la possibilité de faire une remise. Donc, il va être important que quand j'arrive, si je n'ai pas touché, je suis en équilibre et je fais la remise. OK? Je vais donc 3 minutes. OK? Pour désigner le smile. Une chose, je vous donne des conseils. C'est quand vous faites l'attaque, et donc vous encadrez les cibles. OK? Et donc, pour les sabreurs, je vous montre. Ça, c'est possible avec une banderole. Ça, une banderole dessous. Ça, une attaque composée. Pour les péistes, les fleurettistes, vous ferez des pointes à relier. OK, vous ferez des pointes à relier, après vous les relier. OK, donc imaginez bien les cibles que vous voulez toucher. Banderole, banderole dessous, composé. OK, et donc, les premières, c'est facile parce que je vous donne. Maman, alors, attends, pardon, je voudrais bien montrer. Alors, vous me regardez? Alors, les premières, c'est facile. Vous avez, pour essayer, vous devez faire les premières touches seulement avec la marche. Donc, ça va être facile.
Les douzièmes, obligatoirement, obligatoire. Obligé. Vous êtes obligé de faire ça avec la femme. Et vous pouvez faire même la remise. Après, vous êtes libre. Vous avez fait beaucoup d'exercices aujourd'hui. Vous faites changement de direction. Donc, je bouge, je cherche ma distance. Et top, je fais ça. Alors, ça c'est le dernier jeu. Je voudrais voir. Alors, tout le monde a compris. Si vous avez compris, s'il vous plaît, vous me faites comme ça. OK. Alors. Parfait. Alors, tout le monde est prêt pour notre design? Design? Maman, tu peux prendre le temps? Oui. 3 minutes pour faire le smile. Ou même pour faire les points à relier. Prêt? Allez, c'est parti! Je vais regarder. C'est bien, non? Oh, regarde, regarde. Allez, restez-vous en équilibre. Comme ça, vous pouvez tirer la remise aussi. Cherchez votre distance. Encadrez votre action. Encadrez bien votre cible, votre action. Attaque composée. Banderole, banderole dessous. Je lève la main et je vais en dessous. Hein? Les yeux, je les dois fermer avec la pointe. Allez, je vais regarder. Allez, courage. Allez, mi. Allez, ça marche. Top. Allez, très bien. J'essaie d'arriver sur les pieds. Hector, tu as compris? Allez, très bien. Allez, encore. Combien de temps pour rester? Il reste 3 minutes. Non? Ouais. Allez, cherchez la bonne distance. Vous avez encore une minute et demie. Allez. Retraite, marche, retraite, top, et vous partez. Allez, même la remise. Allez, hop. Allez, très bien, Noah, c'est bien, allez. Allez, Amalia, c'est bien. Oh, David, ok, je vais regarder. Très bien, allez. Il va rester une minute encore, allez. Combien de temps? Allez. Bravo, Lucas, allez. Hop, hop, hop. Allez, très bien. Allez, qui a terminé? Allez, vous me montrez. Allez, parfait. Tout le monde est arrivé encore? Allez. Allez, très bien. 30 secondes encore. Allez. Allez, terminez votre design. Descend, il ne m'entre pas dans la tête. Descend. Allez. OK. Allez, bien. Encore, hop. Allez. 10 secondes. Allez, les derniers deux actions. Allez, à vous. Allez, stop! Allez, approchez-vous! Montrez-moi les designs, allez, très bien, allez! OK, très bien, allez! OK, allez, très bien! Alors, maintenant, ça c'est les miennes, merci! Alors, nous avons terminé, je vous en prie, maintenant je vais lasser, vous faites. Je vous en prie de faire 3 minutes, seulement 3 minutes de stretching tout seul. Comme ça, je ne vais pas sortir trop de mon temps. 3 exercices de stretching, OK? Ça, c'est les premières. Ça, c'est les douzièmes. Et ça, c'est les troisièmes. OK? Je cherche vous de faire ça. Maintenant, je vais saluer. Vous le ferez tout seul. Merci encore pour votre attention. Je laisse la ligne à Philemon.